Bonjour. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour, monsieur le président. Bienvenue en Algérie. Vous êtes comme chez vous. Pas vraiment chez vous, mais comme chez vous. Alors, j'ai des questions à vous poser. C'est juste pour vous rappeler que la dernière fois, je suis partie en France. Et pour le motif, j'ai mis jalousie, parce que j'étais un petit peu jalouse de ma belle-fille, elle était déjà partie en France, je voulais faire la même chose. Bon, je vous raconterai ça plus tard, ça reste entre nous. Alors, d'après ce que j'ai compris, quand on part en France, on doit maîtriser la langue, c'est-à-dire on doit bien connaître la langue française. Alors moi, je voudrais juste savoir si vous, quand vous venez ici en Algérie, est-ce que vous maîtrisez l'arabe? C'est juste une question, c'est-à-dire est-ce que ne serait-ce qu'un petit chouïa de mots en arabe? Non. Ah, je m'en doutais. Même pas l'alphabet. Même pas. Par exemple, quand on dit A. Par exemple, quand on dit un exemple, hein, quand on dit un Macron. Non. Macron ne commence pas par le A. Par exemple, quand on dit Amelo. Amelo. Par exemple, comme si vous alliez accoucher. Bon, je sais que vous n'avez jamais accouché, mais faites un petit effort. Comme ça, vous allez prononcer Amelo. Par exemple, bas. Pas quand on dit biberon. Là, là. Le biberon, c'est en français. Par exemple, quand on dit bas karaton. Bas karaton. Bon. Il n'y a aucun espoir, monsieur. Ka, c'est impossible de le prononcer. Avec la bonne volonté du monde, pas possible de prononcer le ka. Donc vous dites Bakaraton. C'est pas grave, c'est pas grave. On vous pardonne. On a pardonné beaucoup, beaucoup de choses, monsieur. Il y a les lettres. Il faut apprendre. Doucement, doucement. Par exemple, quand on dit Tcha. Je crois que je me suis trompée là. Par exemple, quand on dit Tsamraton. Tsamro, tsamro. Ça. Et Fa. Fa, par exemple, quand on dit Fama, l'aoujat Fa. Ou juste pour vous rappeler quelque chose, monsieur, quelque chose de très très important. Ça n'existe pas. En arabe, il n'y a pas le v. Qu'est-ce le fa ou le ka? V, le tako. Elle dit que le v, c'est le visa. Elle dit qu'il y a tako. C'est-à-dire qu'on se met à dire que le visa, mais il reste comme ça. Tout le monde vous ouvrez les frontières ou on ouvre un petit peu notre esprit parce que je crois qu'il est un petit peu. Il étouffe notre esprit. Bon, c'est pas la question de ça se desserrer. Ouh là là, il y a de l'espace, il y a de l'espace. On a l'espace pour héberger toute l'humanité. C'est pas un problème. C'est juste qu'on est un petit peu coincé, un petit peu coincé. Donc ouvrez les frontières et nous on va essayer d'élargir un petit peu notre esprit. Je crois que comme ça on va très très bien s'entendre.